Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo impromptue. J'ai acheté Mbappé Team of the Week. Il est 7h du matin quand je tourne la vidéo. Le lendemain de la sortie de la carte de Mbappé, j'ai fait une insomnie cette nuit, les gars. J'ai pas réussi à dormir. En tout cas, j'ai dormi que 2h, les gars. Ce n'est pas assez. Mais j'étais obligé de me lever le matin, les gars. J'ai un petit rendez-vous ce matin. Mais avant d'aller au rendez-vous, 7h20 du matin, les gars, je vais jouer à FIFA. On va tester la nouvelle carte de Mbappé. Sachant que j'ai pas testé une seule fois Mbappé cette saison, je ne sais pas ce que ça vaut Mbappé. Je vous présente la carte. J'espère que ça va pas faire un coup à la Gullit. Je l'ai acheté trop cher. 6 146 000. Voilà, il n'y en avait que 4 sur le marché. Les autres, ils étaient à 10 millions. 6 146 000. Il me semble quand même, les gars, qu'il y a moyen que je suis celui qui l'a acheté le moins cher. Parce que regardez Futbin. Déjà, on va comparer la carte. Alors, elle a le même playstyle, les gars. C'est full et rapide plus. En gros, quand il prend le ballon, il me semble qu'il va beaucoup plus vite. Je regarde sur le jeu, il y a écrit quoi? Fouler rapide plus, accélère vraiment plus vite lors d'une accélération explosive. Et du coup, par rapport à ses régulars, il prend un plus 1 en vitesse, en tir, en passe, en dribble, un plus 2 en défense, un plus 2 en physique et un plus 1 en défense, plus 1 en physique par rapport à la Trailblazer. Par contre, la Trailblazer, elle avait Power Shoot, qui est pour moi peut-être un meilleur playstyle. Du coup, je pense que ce Mbappé Team of the Week, il va peut-être descendre à ce prix-là et il y a moins que ce soit un mauvais achat. Mais voilà, c'est le temps de tourner mes vidéos. Je vais le revoir en début d'après-midi, les gars. On verra ce que ça dit, si je l'ai vendu en bénéf ou pas. Donc les, voilà, ça c'est moi, c'est mon achat. Et je suis celui qui l'a acheté le moins cher quand même, les gars. Mais bon, ça va peut-être pas durer, t'as 307 000 de taxes. Ok, bon maintenant, vous présentez l'équipe avec laquelle on va tester Mbappé. On va faire 2-3 matchs, les gars. Je suis pas le meilleur joueur de FIFA, les gars. Mais j'espère pouvoir faire un peu de bon contenu, mettre des jolis buts avec lui. Donc les petites stats en détail de Kylian Mbappé. Je crois que le play, le style que je lui ai mis, c'est canonnier. Généralement, c'est ça qu'il faut mettre à Mbappé. Très rapide, la finition c'est quand même pas mal du tout, hein. Les stats en tir, tout ça, c'est incroyable, juste tir de loin, il est pas exceptionnel, volé non plus, penalty on s'en fout, tout le reste c'est incroyable les gars, dribble 94 d'agilité, bon, y a moyen de faire du bon gameplay quand même avec ce Mbappé, regardez l'équipe avec laquelle je l'ai mis, on s'en fout les gars, j'ai mis des Econ prêt, tout ça, je l'avais Gullit, je l'ai revendu d'ailleurs, ça y est les gars, voilà, c'est juste histoire de, j'ai mis Zanetti, c'était pour finir le collectif, j'ai juste acheté Dembélé si vous voulez pour l'équipe, et voilà, le duo de BU, je vais jouer en 4-4-2, Rashford, Mbappé, oh là là, ça va être super cheaté à mon avis. Donc les gars, on va partir pour les matchs, pour 2-3 petits matchs avec Mbappé, on va voir ce que ça dit. Bon, j'ai rien à cacher les gars, on va partir en division rivale, je suis en div 5. Donc voilà, on n'est pas sur une grosse div, je pense que j'ai peut-être un... Ouais, je dois être div 4, div 3, peut-être div 2, j'en sais rien les gars, j'ai jamais tryhard le mode rival cette saison. Les derniers matchs que j'ai fait, j'en ai fait 16 la semaine dernière et j'ai gagné les 16 les gars. Donc j'étais en div 8, je suis monté en div 5. Voilà, c'est pas un gros niveau normalement en face les gars, mais voilà, je n'ai pas un gros niveau moi. J'ai rien à cacher. On est parti les gars, on va voir ce qu'on fait avec ce formidable Kylian Mbappé. Première fois que je le teste cette saison. Une carte à 6 millions. C'est parti. Alors déjà les gars, j'ai acheté des nouveaux maillots. Pour ceux qui cherchent les gars, oh là 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 là, ils sont magnifiques les maillots. Déjà, franchement, c'est la première fois que je les teste là, ils sont magnifiques. Pour ceux qui veulent ce maillot les gars, c'est le maillot de 4e maillot de Leipzig. Mais pour le trouver les gars, dans le marché des transferts, il faut mettre maillot perso, couleur primaire bleue, couleur secondaire noire. Voilà les gars, pour trouver ce maillot de Leipzig qui est, je trouve, magnifique. On va faire la passe à Mbappé, bien sûr. Ah, dommage. Allez, premier ballon pour Mbappé. Première fois que je le teste cette saison. Je tente des trucs, hein, bien évidemment. Hein, j'ai envie de faire le show avec lui. Numéro 14, ça le fait pas trop, je pense. Oh, il m'a eu. Là, c'est bien joué. Il n'arrive pas à marquer, il n'arrive pas à bien frapper. Ok, tant mieux pour moi. Je vais enlever le casque, les gars, parce que honnêtement, là, les bruits de tambour dans nos oreilles tout le long du match, ça me saoule. J'arrive pas à me concentrer, j'ai l'impression. Hop, Gullit qui est passé. Bon, on va envoyer Mbappé, bien évidemment. Ah bah, Mbappé, attendez, mais c'est trop bizarre. Il a arrêté de courir, mais c'est chelou. J'enlève le casque. Allez, on a Heung-Min Son. Je vais envoyer un petit centre pour Mbappé. Le contrôle, normalement, il va être bon. Et le petit but facile, les gars. J'ai un peu bugué sur la manette, mais limite, ça m'a aidé. À finir les gars, ouverture du score Kylian Mbappé, et là j'ai le petit bug en bas à gauche, du coup ça reste actif le truc que j'ai ouvert, lourd, j'aime, attends on va mettre dans la surface au pire, et les gars, ok je l'ai mis, c'est bon, je voyais même pas ce que je faisais, j'ai eu le ballon du coup, on va tester Mbappé et les flip-flap, ok c'est pas passé, oh il y a hors-jeu ou pas là, je pense qu'il y a, il y a pas hors-jeu, il y a pas hors-jeu du coup, oh j'arrive pas à finir, j'ai tenté un timing vert, je l'ai pas réussi. Ouais, bon, c'était une finition éclatée, les gars. On est là pour faire le choix avec Mbappé. Je veux finir comme ça, c'était un peu moche. Mais bon, je pense que ouais, j'ai pas le niveau, les gars, pour vous faire des gameplays de fou, malheureusement, avec n'importe quel joueur, à mon avis. Donc voilà, on va se calmer. Hop, De Bruyne. Rashford, il est trop fort. Oh, sachez-le, Rashford, les gars, il est vraiment exceptionnel. En fait, là, je cherche Mbappé. Je vais pas le... Ah si, peut-être en centre, deuxième poteau. Oh!
Oh, j'avais fait un timing vert. En plus, je voulais mettre une retournée acrobatique, les gars. Allez, je fais la passe à Mbappé. Cette fois-ci, le flip-up. Bah, encore une fois, il passe pas. J'appelle ça flip-flap, les gars. La virgule, appelez ça comme vous voulez. Ok, là, c'est. Oh, le contrôle est magnifique. Hop. Il y a quoi? Il y a un coup franc? Il y a penalty même. Ah oui, il y a penalty, d'accord. On va tirer avec Kylian. Alors, les penalty, moi, les mecs, comme cette année, au moins, je peux vous en parler. Je les tire comme ça. Je tire super fort, presque le maximum de la barre, et je la mets en lucarne. Voilà. Souvent, ça rentre. Souvent, les gars. Par contre, j'ai jamais gagné une séance de péno, malheureusement. Voilà, le petit doublé pour Mbappé, déjà, les gars, au bout de 26 minutes. Hop, hop, hop. Ah, ça fait trois fois que je le sais, ce geste technique. Trois fois que je le fais dans des mauvaises conditions et que ça passe pas. Je vais essayer de centrer. C'était pour Mbappé, mais Son, il a voulu faire un centre. Je sais pas où, tant pis. Alors, le compte favorable pour Kylian. Je sais pas s'il est bon en enroulé. Je l'ai complètement raté, là. J'étais pas dans la bonne position, mais je vais essayer un peu essayer de tester enroulé. Power shoot, je sais pas s'il a le. C'est quoi après ce match, les gars? Je vais regarder ses. Oh là là, mais c'est trop fluide. Oh, c'est trop. Mais c'est trop. La tête de moi, c'est trop. Mais c'est trop fluide, les gars, Mbappé. C'est la première fois que je teste, les gars. En plus, c'est la version boost, donc une version améliorée. Mais c'est trop fluide. Je vais voir donc ses autres playstyles. Pas les playstyles plus, mais les autres, tout simplement. Là, je vais tenter le timing. Elle part en pleine Lulu, les gars. Le triplé pour Mbappé. Archi simple. Franchement, les gars. Ah, je pense que beaucoup de joueurs pro veulent avoir peut-être ce Mbappé. Je sais pas en fait, les joueurs pro cette année, ils jouent avec quel joueur? J'avoue que j'ai pas trop regardé la compétition. Vous savez, il y avait les objectifs là, FC Pro. Vous pouvez récupérer des petits packs et tout en liant votre compte Twitch à IE. Bah, figurez-vous que j'ai mis le live 2 heures en fond sur un autre onglet et ça m'a pas compté. Il y a écrit que j'ai regardé 4 minutes du live. Ça m'a rendu fou, les gars. J'ai dit, c'est bon, je rate plus leur live à eux. Il y avait un petit pack méga gratuit à récupérer. Ça m'a foutu un peu le seum, je vais pas vous mentir. Donc, continuons ce match maintenant. Hop là, l'appel en profondeur de Kylian. Je pense qu'on va garder le ballon avec lui. On va peut-être essayer une roulette. Oh, 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 oh la roulette, les gars, elle est passée crème. Je sais pas pourquoi j'ai fait un flip-flap ensuite. Certainement, encore une fois, le maniement de la manette qui est pas exceptionnel de ma part, les gars. Et on est du coup sur un quadruplé de Kylian Mbappé. L'adversaire cool, hein, il quitte pas. Tout ça, ça me permet de. Ouais, il va quitter du coup, j'ai parlé. Ça me permet, les gars, de. Ah, il va peut-être pas quitter. Ça me permet de tester un petit peu ce Kylian en long, en large et. Et en travers, on dit ça comme ça, non? Allez, bref, on passe à la suite du match ou à un prochain match. Tout dépend s'il reste ou il quitte l'adversaire. Allez, Kylian, il était parti en profondeur. J'ai préféré la jouer comme ça. Rashford, oh lolo, Rashford. Oh lolo, je sais ce que je vais faire. La passe à Kylian. Et ça rentre, les amis. Je vous ai dit, on teste toute la palette de compétences de Mbappé, les gars. Et ça se passe bien. Premier match au club. Tiens, tu plais. Comme ça ici. Allez, encore une fois, on va avoir une action avec Mbappé. On va voir sa vitesse. Ouais, sa vitesse, c'est pas mal du tout. Hein. Ses dribbles sur le gardien aussi, c'est pas mal du tout. Le retour du défenseur, finalement. Pas de sixième but pour eux. Pas de sextuplé pour Mbappé. Et le match n'est pas terminé. Et là, je crois que je vais peut-être tenter mon power shoot, non? Ah, mais je suis trop prêt là pour le tenter. Tu sais quoi, je vais faire une passe. Je vais finir avec Dembélé, les gars. Petit 6-0. Tranquillou. Oh. Je peux tenter ce que je voulais faire tout à l'heure. Ah non, j'ai pas réussi, les gars. Je veux faire un centre fantasque. Bref, c'est la fin du match, les gars. Premier match. Victoire 6-0, surtout. Tiens, tu plais de Mbappé. On est là pour lui. Tout se passe bien. On va voir sur un deuxième match. Et je viens de penser, les gars, c'est 7h40 du matin. Il y a donc peut-être que les gens en face, ils cherchent peut-être de faire une victoire ou deux pour bah, les récompenses rivales qui doivent arriver à 9h ou un truc du style. Bon, j'ai pris un but. Je parle avec vous, les gars. Pas très grave, la vérité. Allez les gars, on passe au deuxième match de la vidéo. Alors du coup, on voulait voir y a Kimi qui s'est blessé durant le match. On voulait voir les autres. Quoi, je fais envoyer au club, les gars. Je suis perdu avec la manette ce matin. Je sais pas ce que j'ai. Bon, ça m'empêche pas de gagner, les gars, mais je suis perdu avec la manette quand même. Donc on va aller voir les autres playstyles de Mbappé, pas les playstyles plus, les autres. Ça va être cheaté cette année quand on aura des cartes avec plusieurs playstyles plus. Par contre, ça va être vraiment, vraiment cheaté le jeu. Ça va être n'importe quoi. Il a quoi? Il a contrôle du ballon, atteinte vitesse plus élevée lors des dribbles et commet moins d'erreurs. Ok. Intuition réaliste des passes et des tirs fantasques avec une précision accrue. Ok. Et extérieur du pré. D'accord, il a extérieur du pied. Du coup, ça, les gars, on va peut-être tenter des petits extérieurs. Je sais que Chiesa, il avait ce playstyle, pas en playstyle plus, juste en playstyle, il me semble. Et je mettais de très jolis extérieurs avec lui. On va voir avec Mbappé, ça dit quoi. Ah, les gars, deuxième adversaire, ils sont deux. Donc, ça va rajouter un petit peu de challenge. Le PAO FC13, deux adversaires en face. Est-ce qu'à deux, ils seront meilleurs pour défendre sur Mbappé? En tout cas, avec Van Dijk Boost, c'est déjà mieux pour défendre sur Mbappé, à mon avis. Ok, t'es où, Kylian? Il est là. Ben non, c'était pas Kylian, mais je suis un fou. Attendez. J'ai confondu Kylian Mbappé et Kevin De Bruyne. Il y a un gros souci, là. Il y a un gros souci, les gars. 1-0 pour moi. Wesh. Si mes buts à l'engagement, ça aurait été incroyable. En vrai, j'aurais kiffé.
Franchement, parce que c'est le matin, tranquille, je sais que je vais pas rager sur le jeu. Donc j'aurais kiffé me prendre un but comme ça aujourd'hui. Je suis un narvalo. Ah, j'ai compris, c'est le script, il va marquer. Bah non, franchement, il se comme il met des frappes éclatées, ça me donne pas envie de l'acheter, hein. Ou de le faire, je crois qu'il est en SBC. C'est pas pour Mbappé à la base, mais il vient de mettre un petit peu sur le contrôle et il y a faute de Virgile, les gars. Il y a faute. Mbappé, les stats en coup franc, ça dit quoi? Je pense que c'est éclaté, mais juste, je vais regarder. Vous allez pouvoir voir normalement 95 de puissance, effet 81, penalty. Oh, on tente en vrai de vrai. Et pourquoi pas tenter, les gars? Qui sait? Ah, j'ai frappé un peu trop fort, je pense. Ouais, non, j'ai frappé beaucoup trop fort, les gars. On oublie, les gars. Hop. On va mettre une fuite. Ça passe ou pas? Oh, si je mets une fuite à Van Dijk. Si j'arrivais à passer Van Dijk, genre en mode grand pont, là, ça aurait été incroyable, vraiment totalement cheaté. Faut pas non plus abuser. Oh là 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 là, les passements de jambes, il est passé. Je vais finir avec lui, hein. Hop. Oh là là, mais c'est trop facile de dribbler les gardiens avec Mbappé, en fait. C'est vraiment trop facile, les gars. J'ai même pas besoin de faire de gestes techniques, en fait. Juste, je me décale à gauche ou à droite et c'est fini. Les gars, 2-0 et victoire, les gars. Rage quitte des deux adversaires, du coup. On passe à un troisième match pour continuer de tester Mbappé, surtout les extérieurs du pied. J'aimerais bien essayer. Allez, troisième match. J'ai toujours pas changé les numéros de maillot et je pense que, bah voilà, il aura le numéro 14 tout le long. Voyons voir. Hop, ce début de match, ça va dire quoi? Bah écoute, ça dit rien pour l'instant. On se retrouve pour les premières actions. J'ai une petite question à vous poser, l'équipe. C'est vous jouez en quel style de jeu, vous? Rashford qui va partir, je crois que je vais faire un power shoot. Hein. Boum! Power shoot, les gars, la Lulu. Ça, c'est Rashford, je kiffe. Hein, pour ce type d'action, Rashford, il est trop fort avec cette finition avec les L1 R1, les gars, c'est n'importe quoi. Du coup, une petite passe D de Mbappé, il me semble. Mais vous jouez en quel dispositif? Moi, bah, j'aime bien 4-4-2, comme ça, j'ai mes deux attaquants. Et voilà, j'ai mes deux attaquants, j'aime bien jouer avec deux attaquants, tout simplement. Et 4-3-2-1, et je sais pas dans quel style de jeu je suis le meilleur. Là, les premiers matchs, les gars, je les ai joués en 4-3-2-1, il me semble. Et là, du coup, celui-ci, je vais le tester en 4-4-2. On va voir ce que ça dit. Du coup, avec Rashford et Mbappé en pointe, je pense que c'est un duo d'attaque. Laisse tomber, frère. Il fait peur. Hein. Il fait vraiment peur, ce duo d'attaquant. Alors là, on a l'appel de Rashford, l'appel de Mbappé. On va lui mettre, bien évidemment. Ah, oh, j'aurais pu faire l'extérieur. J'aurais pu faire l'extérieur, les gars. J'étais bien placé. Rashford, je vais tenter le 1 triangle. Oh, normalement, il doit passer celui-ci. Je suis pas d'accord. Bon, on a Gullit au milieu de terrain. Heureusement, il récupère le ballon. Par contre, là, il y a moyen qu'il y ait hors-jeu. Il y a hors-jeu, bien évidemment. Là, bonne récupération de Rashford. Je tente un triangle. Non, c'est mal joué. C'est mal joué, malheureusement. Moi, j'aime trop, les gars, les passements de jambes avec Mbappé plus l'accélération. Ensuite, c'est n'importe quoi. Ah, Rashford, le contrôle était mauvais. On aurait pu mettre un but sur cette action, à mon avis. Ok, Rashford, il récupère pas mal de bons ballons. Et là, il fait enfin une bonne passe. Ah, je voulais m'arrêter, les gars. Il y a coup franc. Allez, ça nous permet de retenter un coup franc avec Mbappé. Même si, voilà, c'est vraiment pas son domaine de prédilection, les gars. J'ai juste envie de voir si je peux en mettre un ou pas. 3 barres et demi, on m'avait dit de frère. Et voir. Non, 3 barres et demi, ça va pas. Je sais pas. Bref, je vais éclater en coup franc. J'ai merdé dans mon contre. Ça se voit que j'ai des lacunes quand même dans le jeu en termes de gameplay, les gars. Je suis pas très bon, la vérité. Je trouve que ça se voit. Mbappé, non, j'arrive à rien dans ce match. Allez, Mbappé, je savais qu'il allait avancer son défenseur. Ah, à chaque fois, je fais le même move. Oh, c'est nul, putain. Ok, Kylian Mbappé, les gars. J'ai envie de tenter un enroulé d'ici. Ouais, mais déjà, faudrait passer. Je vais faire un peu de R1, voir ça dit quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, les R1. Ok, c'était pas mal, les R1. Pas mal du tout. Il y a l'égalisation. Ok. On a enfin un match, on va dire, serré, entre guillemets. Même si honnêtement, je force un peu trop sur Mbappé. Donc voilà. J'aurais eu des options de mettre des buts. Sinon, si je jouais pas autant forcé sur Mbappé. Mais voilà. Dans la finalité, il y a 1-1. Là, il y a peut-être même y avoir 2-1. L'action suivante. Non, c'est bon. On va essayer de mettre un but, nous, avant la mi-temps. Je vois qu'Mbappé, il est parti. Mais je fais n'importe quoi avec Son, les gars. Ok, c'est bon. Défensivement, on est là. Ah non, mais les relances. Mais les relances, c'est mon gros problème. Ça a toujours été mon problème, je trouve, dans les FIFA. De toute façon, la relance. Dommage, il y avait une belle action pour finir la mi-temps. Bref, un partout à la mi-temps, rien de dramatique. On passe à la deuxième période. Ok, bon, là, je pense que je peux aller au but, non? Je peux voir la vitesse? Ouais, regardez. Est-ce que j'enroule ou pas? On va tenter. Je l'ai mis en timing, les gars, mais il a tiré complètement sur le gardien. Non, les enroulés, je pense que c'est vraiment pas son point fort. Je vais arrêter de tenter les enroulés. Par contre, les extérieurs, j'ai toujours pas tenté. Et les extérieurs, je pense que c'est un point à travailler, je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a moyen qu'il soit bon là-dedans vu qu'il a déjà le playstyle de base. Ok, regardez juste là. Regardez la pointe de vitesse.
C'est trop, les 5 étoiles gestes techniques, je m'en sers pas assez les gars. Mais c'est trop, la vérité, dommage le centre qui était mauvais. Allez, hop, on va la jouer altruiste. Sonne pour Mbappé. Ah, mais il a capté, je pense, l'adversaire que je joue tout le temps sur Mbappé. Donc peut-être que je vais devoir, si je veux aller chercher la victoire, surtout, bah, les gars, ça fait 18 matchs ou 19 matchs maintenant d'affilée que j'ai pas perdu en rival, j'ai les x2, les flammes. Si je veux aller chercher la victoire, peut-être que je vais devoir... Il a raté ça. Peut-être, les gars, que je vais devoir marquer avec d'autres joueurs. Tout simplement. Non ! Bien joué, Papin. J'ai fait n'importe quoi sur ma défense. Hein. On voit mes lacunes dans ce jeu, les gars. On voit mes lacunes à certaines fois aussi sur ce genre de défense, tout simplement. De moments défensifs où je défends très, très mal. Hein. C'est vraiment catastrophique. Hop là, Mbappé pour Son. Et Son l'enroulé. J'ai même pas fait le timing vert. J'ai pas réussi, les gars. Mais voilà, l'égalisation directe avec une passe D de Mbappé. Toujours bon à prendre pour les stats. Ok, Son. Il y a l'appel de Mbappé. Je vois qu'il suit que Mbappé, l'adversaire. Mais regardez, même comme ça. Oh, dommage, j'ai pas réussi le timing encore une fois. J'arrive pas le timing aujourd'hui. Mais voilà, même tu suis Mbappé, tu peux pas, les gars. Il va trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau là? Ousmane Dembélé, Son. En vrai, enroule avec Son, mais il a fait un mauvais contrôle. Je comprends pas mes joueurs pourquoi ils font des si mauvais contrôles. Là, je vous dis la vérité. Ici, je fais un timing vert avec Son. Il y a but. Hein. Même d'ici. Hein. Hop, 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 hop. Tout en R1. Tout en R1. J'ai toujours le ballon parce qu'il défend pas, en fait, l'adversaire. Et là, j'ai perdu le ballon, malheureusement. Et il défend pas l'adversaire, en fait. Il défend auto complètement. Il avait sélectionné aucun joueur. Moi je l'ai pas là. Ah, c'est bien joué. Hé, wesh, De Bruyne, qu'est-ce que tu fais, De Bruyne? Qu'est-ce que tu fais, le coup 74e? Il va falloir que je pense à marquer, moi. Oh, c'est trop fluide. Ma parole, c'est trop fluide. Bon, après, malheureusement, il y avait déjà un défenseur sur Son. J'ai pas pu le mettre bien en profondeur. Je récupère le ballon. Oh, ça peut me mettre bien. Je le récupère pas. Ok, Mbappé. Pour Rashford. Rashford, je vais l'envoyer à Mbappé. Ok, normalement, c'est terminé. Je vais tenter le L1-R1. Mais pourquoi je tente ça, les gars? Voilà, les mauvais choix du yo. Ils sont là, là il y avait la victoire qui me tendait les bras. Juste un petit dribble sur le côté gauche, c'était fini. Hein. On a vu avec Mbappé que dribbler le gardien, c'était le truc le plus facile à faire. Donc voilà, j'ai voulu tenter L1, je sais pas pourquoi, alors qu'il a pas du tout le playstyle de base. Allez Mbappé, faut que tu fasses un appel. Bon bah ça sera Dembélé. Il y a hors-jeu. Merde. Ah, j'ai mon réveil qui sonne les gars, forcément, 8h du matin. Et voilà, le réveil qui sonne, ça me permet juste de pas défendre et... J'allais peut-être perdre les flammes sur cette action. Et pour le moment, je vais... Bah, je vais même pas les garder, les flammes avec un match nul. Absolument que je gagne. Non, 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 non. Bien joué, Courtois. Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu réussis ta relance. Non, bien sûr que non. Allez, c'est une des dernières actions. Il y a hors-jeu. Bien joué, adversaire. Allez, les gars. C'est maintenant ou jamais. J'envoie le ballon à Rashford. L1-R1, mais j'ai tiré de l'autre côté de la map. Je suis trop nul. Je suis mort, je suis trop nul. Allez les gars, fin du match, 2-2. Un peu déçu les gars, je perds mes flammes et tout dans la vidéo alors qu'on est en 10-5. Je suis censé les garder, voilà, j'ai pas été bon dans le match la vérité, j'ai pas été très bon. C'est mon année FC24 les gars, je suis pas exceptionnel clairement. Par contre Mbappé, je sens qu'il y a quelque chose quand même les gars, ça se voit qu'il est bouillant. Malheureusement, il n'est pas joué par un mec bouillant, les gars. Mais voilà, tu le mets dans les mains de quelqu'un qui est exceptionnel au jeu. Il devrait te faire des dingueries avec lui. On va pas faire d'autres matchs, les gars. 44 minutes déjà, j'avoue, les gars. Ça va faire un peu long après la vidéo, je pense. Non, franchement, exceptionnel. Combien on a mis de buts du coup avec lui? On a mis 6 buts du coup. Essentiellement, le premier match, les gars, avec le quintuplé. 3 passes D. Ouais, la vie. Franchement, le point fort, c'est la vitesse. Quand je fais les passements de jambes et que je cours ensuite, c'est trop la vitesse. Les vitesses qu'il peut prendre, tout ça. Je pense jouer de manière sérieuse, tout ça. Oh, mon réveil, il me saoule. Jouer de manière sérieuse, tout ça. En fut champion, je peux faire des dingueries avec. Je pense que je peux peut-être aller chercher enfin le palier des 14. Je sais pas, les gars. En tout cas, c'était un plaisir de le tester. Voyons voir là si depuis que je l'ai acheté, il a monté. 6 millions 3. Ouais, je l'ai acheté 6 millions 150, les gars. Donc, ouais, c'est à peu près le même prix. Et peut-être tout le monde se vendre 6 millions parce que moi, je l'ai acheté 6 146 000. Et c'était le prix de départ, comme là, 6 millions. Je pense que quelqu'un l'aura à 6 millions, celui-ci. À moins que quelqu'un il se dit, j'envoie 6 millions 3 direct dessus, parce que j'ai vu Yo, il a dit il était trop fort. J'en sais rien. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo test du nouveau Mbappé Team of the Week vous a plu. Et surtout, une petite vidéo chill, tranquille. On joue un peu au jeu. C'est rare, les gars, qu'on fasse des vidéos comme ça. Vous a plu. N'hésitez pas à la liker, les gars, à commenter un petit peu comme d'hab. Pour je vous kiffe, la mif, c'était le Yo. Ciao, ciao.